savait qu'il allait mourir. Cela ne dura qu'un instant. Une fraction de seconde. Il se revit quelques mois plus tôt. Ce soir, où tout avait commencé. Tu peux entrer ? Rien n'a changé. Si, ça. Elle n'est pas là ? Non. C'est amusant de se retrouver après si longtemps. Combien ? Un an et demi ? Un an. Jour pour jour. Je boirais bien quelque chose. Pas toujours? J'en ai le temps. Je demande travail au labo. Sans glace, comme d'habitude. Et sans eau, comme d'habitude. Merci. Alain? Oui? Qu'est-ce que tu veux? Rien. Je voulais te voir, c'est tout. Je voulais aussi te parler de ton projet. Mon projet? Cette sorte de cité pour malades mentaux. Tu y penses toujours? J'y pense, bien sûr. J'y pense. Je suis bien le seul. Mais... tu permets? Allô, oui? Écoute, mon amour, je suis désolée, mais je vais rentrer encore plus tard que prévu. Je n'ai pas fini les photos et Ben vient de m'appeler. Il est en France pour 2 jours et il va faire un saut au studio, ça ne t'ennuie pas? Mais ça ne fait rien. Tu as une drôle de voix. Y a quelqu'un avec toi? Non. Enfin, si. Qui? Je t'expliquerai. Ou alors dans 1 heure. Vers 9 heures? Entendu. Je t'embrasse. Moi aussi. Elle va bien? Très bien. Elle m'appelait pour me dire que... ça n'a aucune importance. Revenons à ta cité pour malades mentaux. C'est une idée qui te passionne depuis que tu es médecin, non? C'est surtout un rêve. Tu n'en avais pas fait le sujet de ta thèse? Si. Et comment le sais-tu? Tu oublies que tu m'en as parlé. Souvent même. Malheureusement, ça n'intéresse personne. Si. Moi, ça m'intéresse. Comme ça, c'est OK. Je ne savais pas entendu arriver. Viens, on va le voir. La voix, tu as un courage, Olivier. Ben. Si, si, je t'assure, tu es en pleine forme. Toi aussi, tu es en pleine forme. C'est New York qui te fait grossir? Oui, oui, terrible. Trop de cheesecake. Non, thanks. J'ai arrêté. Mais je vois que tu fumes toujours autant. Hein. Oh, dis, tu vas pas me faire la morale, toi aussi. Toujours des natures mortes? Toujours. Look at this.
Regarde. All right. Uh-huh. Ouais. Not bad. Comment ça, pas mal? Espèce de salaud. Formidable, tu veux dire? Non, sérieusement. Comment tu les trouves? Très bon. Je les emporte aux States, ça fera un malheur. You really think so? Yeah. Sure. Oh! Tu repars demain? Ouais. À 7 heures, je vais à Copenhague, un reportage. On dîne ensemble? Ce soir? Non, je ne peux pas. T'es comment, toi? Ah, toujours le toubib. Ça dure encore. Écoute, Ben, je sais que tu ne l'aimes pas, mais... Mais si, je l'aime bien. Un brave type, joli garçon, but not a man for you. Eh bien, moi, je l'aime tout court. Ça te passera. Non, pas lui. Pas lui, Ben! Ok, ok, ne te fâche pas. Si tu veux, on peut l'emmener dîner avec nous ce soir. À ton retour de Copenhague, promis. Mais pas ce soir. Martin et moi, ça fait tout juste un an. Oh, I see. Mais Gro et toi, d'aller le retrouver, hein? Tu as déjà travaillé sur le projet? Oui, un peu. Oh, pas grand-chose, quelques idées que j'ai notées à droite ou à gauche. Je crois que tu retrouves tout ça. Mais c'est pas un problème. J'irai les chercher ce soir. Pas trouver aussi des gens pour te seconder. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Bon, bien, je vous laisse. Tu peux rester un peu? Non. J'ai un dîner, je file. Tu m'appelles demain? Avant 4 heures. Au revoir, Sophie. C'est formidable. Assieds-toi et écoute. Écoute bien. Alain va construire ma ville. Ta ville? Oui. Il possède des terrains en Normandie, plusieurs centaines d'hectares, des prés, des bois. La Châtaigneraie, je connais, merci. C'est vrai. Eh bien, c'est là qu'il va la construire, mais une vraie ville, avec une mairie, des écoles, une église. C'est formidable, non? Je comprends pas, Martin. Écoute, Sophie, je t'en ai assez parlé. Une ville dans laquelle on s'occuperait des inadaptés sociaux. Ces gens-là, on leur permettra de vivre dans le calme, sur un rythme normal. Sans camions qui passent la nuit sous leurs fenêtres, sans autobus bondés, sans voisins qui hurlent au-dessus de leur tête. 10 ans! 10 ans que j'en rêve! Personne n'y croyait. Ça faisait rigoler tout le monde. Et ben maintenant, ça y est, j'ai gagné. On va la construire. Où tu vas? Préparer le dîner. On se fout du dîner! Tu te rends pas compte. Tu comprends pas ce qui m'arrive. Et c'est pour te parler de ça qu'Alain est venu ici. Chez nous. Oui. Pourquoi, Martin? Comment ça, pourquoi? Pourquoi veut-il construire ta ville? Rassure-toi, pas par philanthropie. Pour lui, c'est un placement qui peut être très rentable. C'est un investissement énorme, non? Oui, énorme, on en a parlé. Il y aura des aides de l'État, mais surtout de la banque qui appartient à sa famille depuis 3 générations. Il a des intérêts partout, il est fabuleusement riche. Tu es bien placé pour le savoir. C'est fantastique, Sophie. J'ose à peine y croire depuis le temps que j'attendais ça, tu te rends compte? C'est fini la petite vie étriquée, les fins de mois qui n'en finissent plus. Maintenant, je sais que je suis pas un raté. Ne dis pas de conneries, toi un raté, mais tu es médecin. Le docteur Martin Kerrien avec ses compliments. Tu parles, qu'est-ce que j'ai fait depuis mon diplôme? 2 années de médecine du travail. Pendant lesquelles tu as écrit un bouquin? Même toi, tu n'as pas réussi à lire jusqu'au bout. Et maintenant, directeur des recherches du laboratoire Miraval. Et ça veut dire quoi? Que je dissèque des rats à longueur d'année. Tu as toujours dit que tu aimais ton métier. Oui, mais sans plus. Ce que j'ai toujours voulu faire, c'est de la psychiatrie. De la vraie, sur le tas. Ce que je vais pouvoir faire maintenant. Grâce à Alain.
Je sais ce que tu penses. Moi aussi, je suis comme toi. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre. Je ne peux pas laisser passer l'occasion de ma vie pour une question d'amour propre. Je te comprends, mais... je sais pas comment t'expliquer. Je le connais trop, j'ai pas confiance. Vraiment? Tu crois? Il faut quand même que je prépare le dîner. Tu viens? Tu sais que j'en ai parlé? De quoi? De tout ça, de toi, de moi. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il n'avait pas oublié, bien sûr, mais que le temps arrange bien les choses. Le passé, c'est le passé. Faut pas tout le temps revenir dessus. Ah là, il t'a dit ça? Textuel. Tu sais, je crois que nous l'avons mal jugé. Il t'en a beaucoup voulu quand tu l'as quitté. Mais depuis, il a compris que c'était en grande partie de sa faute si votre vie conjugale a été un échec. Et Alain est capable de reconnaître un échec, de l'admettre. J'en suis moins sûre que toi, Martin. Enfin, espérons que tu aies raison. Est-ce que tu veux manger une omelette, ça va? Si tu veux. Sophie. Oui. Ça n'a pas été drôle pour toi depuis un an. Je sais ce que tu as sacrifié en quittant. J'ai rien sacrifié, Martin. Si, beaucoup. Je veux que tu sois heureuse. Mais je suis heureuse. Ce que je demande, c'est que nous continuions à vivre comme maintenant, ensemble. Moi aussi. Je t'aime, Sophie. Moi aussi, Martin, je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dors pas? Tu crois que je vais accepter ou pas? C'est à toi de décider. J'ai envie d'en parler à Henri. S'il est vraiment décidé. Gisèle! Toi, en tout cas, tu n'as rien à y perdre. À ma place, tu accepterais. Sans le moins d'hésitation. Ah, quand même! Viens, Martin. Sophie va bien? Il y a déjà du monde? Quatre personnes, tu es en retard. J'ai été retenu à la clinique. Bon, je te sers ton déjeuner. Non, pas le temps, donne-moi un bout de viande froide et du fromage. Tu en veux, toi aussi? Tu vas te détraquer l'estomac avec ce régime. Ah, madame Gausson a téléphoné. Sa fille a 39,5. Je lui ai dit que tu passerais ce soir et son puits est venu chercher son certificat. Bien, va vite me chercher quelque chose à manger. On se voit de ce soir? J'ai trouvé un nom. La ville dans la forêt. Ça te plaît? Oui. Beaucoup. Depuis que tu t'y mettras, monsieur Saint, combien de temps te faut-il pour te libérer de chez Miraval? Oh, pas longtemps. Je m'arrangerai avec eux. Les libéraux disponibles à l'étage en dessous. Tu t'y installes? Ici? Dans l'immeuble? Oui, comme ça je t'aurai sous la main. N'oublie pas que ça me passionne ton projet. Assieds-toi. Autre chose, combien gagnes-tu chez Miraval? Dans l'attente de votre devis, nous vous prions de croire, etc. Bon, une lettre pour diffusion. Ah, c'est toi, salut. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Odette. Jimmy est venu? Oui, il a apporté ça. Il est tard, vous pouvez rentrer. Merci, docteur, à demain. C'est du bon boulot d'architecte. Oui, mais il n'a rien compris au problème. Propose des H&M de luxe, le contraire de ce qu'il faut. Qu'est-ce que c'est que ça? L'école. Une seule? Ça suffit pas. Bonsoir, madame. Bonsoir, Odette. Le docteur est là? Dans son bureau. Vous voulez que je le prévienne? Non, ne vous dérangez pas. Oui, entrez. Oh, excuse-moi, je croyais que tu étais seule. Bonsoir, Sophie. Non, mais reste, on va prendre une minute. Non, non, je peux t'attendre à côté. Assis-toi. Pourquoi ça suffit pas, une école? Tu vas accueillir 500 personnes, tu auras un petit pourcentage de célibataires. Les autres seront des couples avec des enfants.
Une seule colle ne suffira pas. On va voir les chiffres exacts. La date a remonté le dossier aux archives. Tu vas les chercher? Maintenant. Ok. Je vous laisse 5 minutes. Bon, moi je retourne dans mon bureau. Si c'est pour moi, tu peux rester, ça m'est égal. Bien. Je reviens tout de suite. Si nous avions une petite conversation tous les deux, il serait temps, tu ne crois pas? Voilà 3 semaines que Martin travaille ici avec moi et 3 semaines que tu évites soigneusement de me rencontrer. Pourquoi? Tu le sais très bien. Je te connais, Alain. Tu es mauvais joueur, tu n'aimes pas perdre. Et alors? Il y a 1 an, tu as perdu. Et tu penses qu'en donnant à Martin le moyen de réaliser son projet, je poursuis je ne sais quel obscur désir de vengeance? Tombe, Sophie. Complètement. D'abord, je ne suis pas sûr d'avoir vraiment perdu. Il y a un an. Regardons les choses en face, Sophie. Nous avons cru, il y a 7 ans, faire un mariage d'amour. Il nous a pas fallu 6 mois pour comprendre que c'était une erreur. Nous aurions pu nous séparer, nous avons continué à vivre ensemble par habitude. Convenance. Attends, si je comprends bien, tu savais que notre mariage était condamné? À plus ou moins long terme, certainement. Mais alors, pourquoi m'en veux-tu tellement de t'avoir quitté? Mais je ne t'en veux pas. Mais pourquoi refuses-tu de divorcer? Je ne refuse pas. Tu ne me l'as jamais demandé. Alain, je t'ai écrit. Oui, 2 jours après ton départ. Je sais que tu aimes les situations nettes, mais c'était un peu rapide. Tu ne crois pas? En tout cas, tu n'as pas répondu à ma lettre. Non, en effet. La façon dont tu m'avais quitté, sans un mot, sans une explication. Sur le moment, oui, c'est vrai. J'ai très mal pris. J'ai horreur du ridicule. Faut-il que tu aies souffert pour me dire ça à moi? Pauvre Alain, je devrais peut-être te plaindre. N'inverse pas les rôles, je te prie. Il y a des mois que je suis prêt à te rendre ta liberté, suivant l'expression consacrée. Mais tu attendais que je vienne te supplier, pieds nus et la corde au cou. Tu es injuste. J'ai essayé de t'appeler à plusieurs reprises, chaque fois tu m'as fait répondre que tu n'étais pas là. Tu as eu tort, Sophie. J'ai beaucoup d'amitié pour toi. Une amitié profonde. C'est un enfant. Parce qu'il a 4 ans de moins que moi? C'est parce que je voulais dire, tu le sais parfaitement. Voilà. Alain. Oui. Tu as raison, Martin est un enfant. Si tu lui fais du mal, je ne te le pardonnerai jamais. Introuvable. Je sais pas où elle l'a mis. Bon, ben, on verra ça demain. Allez, il est tard, chacun rentre chez soi. Qu'est-ce que vous faites jeudi soir? Rien de spécial, pourquoi? Dick Dobson est de passage. Tu aimes toujours le bon jazz? Je veux, oui. Il joue au caveau de la Treille. Je vous emmène? Ça te dit? Comme tu veux. Écoute, Sophie, toi et moi, sortir ensemble, tous les trois. Nous serons 4. Tu connais Anne Christian? Thank you.
fille? Pas maintenant, ça ne tourne pas. Non, mademoiselle. Je veux bien. Elle est charmante. Martin m'a dit que c'était une chanteuse. On l'a fait 2 ou 3 disques. Quel âge a-t-elle? 30 ans? 25. C'est pas un peu jeune pour toi? Sérieux? Ça pourrait le devenir. Tu diras à cette heure d'amour qu'ils ne vaincront jamais l'espoir. Tu leur diras que jusqu'au dernier jour. Not bad. Elle a une jolie voix. Tu trouves? Allez, viens, j'ai du travail. Jackson m'a appelé de New York. Il veut un reportage sur la vie des femmes au Portugal. Tu vas le faire? Pas moi. Toi. Mais je suis fou. Ouais. Jackson est OK. Et ne pas oublier tes papiers sur les femmes soviétiques. Non, merci d'avoir pensé à moi, mais je ne peux pas. Le toubib ne voudrait pas. Martin serait certainement d'accord, c'est moi qui ne veux pas. Oh non! Tu seras encore là vendredi prochain? Non, non, je dois être au Mexique à la fin de semaine. Tâche de rester. On reçoit quelques amis. Il y aura Henri Lestrade, sa femme, et Alain. Ok. Je viendrai. Dis-moi, maman, c'était comment avant? Avant cette ville ballon, lumière néon, odeur de plomb. Dis-moi, maman, c'était comment? Avant cette vie presse-bouton, ces voitures électrons et ces hommes moutons qui tournent, tournent, tournent en rond. Dis-moi, maman, c'était comment avant de ton temps? Avant qu'on arrête le temps, c'était quoi le printemps? Bravo! C'est très joli, Anne, j'aime beaucoup. Ah, moi aussi, hein, c'est très... très charmant, n'est-ce pas? Bon, mes enfants, si vous avez faim, allez-y. Et ne comptez pas sur moi pour faire le service. Allez, allez. Encore bravo, Anne. Vous avez faim, docteur. Ah oui. Ah. Qu'est-ce que tu cherches? Les garçons. Ils sont bien, tu te crois? Oui, très bien. Tu devrais déboucher les portes. J'y vais. Ça va? Merci. Martin est heureux comme un poisson dans l'eau avec sa ville dans la forêt. À son âge? Pouvoir réaliser un truc aussi important, je l'envie. Vous voulez travailler avec nous, mon cher? Oh, quand? Mes malades ne me laissent même pas le temps de dormir. Vous chantez très très bien. Vous devriez faire des disques. Mais j'en fais, madame. Vraiment? Mais je ne les ai jamais vus nulle part. Comment ça se fait? Je ne sais pas, madame. J'ai cru comprendre que vous étiez une amie d'Alain. Vous avez bien compris, madame. Vous êtes très jeune, hein? Vous avez quel âge? 20 ans de moins que lui, madame. Excusez-moi. La seule chose qui me gêne, c'est
C'est cette espèce de ségrégation. Rassembler des malades entre eux. La tendance actuelle serait plutôt à l'inverse. On essaie de traiter les gens chez eux, sans les couper de leur contexte habituel. Oui, je sais, Martin m'en a parlé. C'est pour ça qu'il veut y recevoir les malades avec leur famille. Ah, Martin, justement, on est en train de parler de toi. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes toujours aussi amateur de jazz? Toujours, ma chère Gisèle. C'est drôle, hein? Je trouve que ça vous va pas. Pourquoi? On imagine mal un banquier qui aime le jazz. Désolé de vous décevoir. Je ne me rendais pas compte du boulot que ça représentait. C'est lourd? Très. Je dois tout mener de front. La construction proprement dite, le recrutement du personnel. La formalité, la sécu. Les confrères, il faut informer. À l'occasion, si ma modeste expérience de généraliste peut être utile, n'hésite pas. Merci, Henri. C'est très gentil. Excusez-moi, Sophie a besoin de moi. Ah, attends, amie Gisèle. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Bon, rien, comme d'habitude. Oh, regarde, ça brûle. Si, si, ça brûle. Oui. Tiens, tiens, là, tu apportes la bouteille. Toi, ben, les verres. Ça ne va pas? Si, si, ça va très bien. Il ne faut pas vous faire des idées comme ça. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Hey. Laissez-moi, je suis affreuse. Vous êtes charmante et vous avez une très jolie voix. Vous pourriez faire une belle carrière. Il faut choisir, mon petit. Votre carrière ou lui. Vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. Si ça dépendait que de moi. Pour le train. Oh, je ne vais pas à plaindre. Allons, le courage. Venez. Non, je ne veux pas. Si, il faut. Come on, come on. On verra ça tout à l'heure. Voilà, j'y suis. Si, si, je serai là, le... J'avais juste oublié le... Mais tu téléphones? Descends en avance, Turgeon. Oui, excuse-moi. On parlera de tout ça tout à l'heure. Non, c'est pas facile. Allez, au revoir, ciao. Roule-toi, je vais en retard. J'arrive. Dis donc, t'as prévu quelque chose pour le week-end? Mais enfin, Martin, tu n'as pas pensé que ça me serait désagréable de retourner à Châtaigneraie? Avec moi? Mais justement, avec toi. Bon, je lui en parlerai. J'essaierai de trouver un prétexte. Mais je te préviens, Sophie. S'il insiste, je ne tiens pas à me fâcher avec lui.
bravo. On sent qu'il fait froid. Oh, plutôt, oui. Je vais chercher du café. Pour vous aussi, Anne? Oui, je veux bien, merci, madame. Vous ne voulez vraiment pas m'appeler Sophie? Poule! Très bien. Non, je tire très mal, je suis désolée. Non, non, vous tirez pas mal du tout. Où avez-vous appris? En Angleterre, j'y ai passé un an. Vous y faisiez vos études? Oh non, j'étais au pair dans une famille. Sans blague. Racontez-moi ça. Et là, je te croyais bonne trappe. Je suis venue chercher du café. Tu les as laissés seuls? J'aurais pas dû. J'ai vu Jazeron hier. La procédure est engagée. Le divorce sera prononcé au printemps. Bien entendu, je prends tous les torts à ma charge. Fixe à toi-même le montant de ta pension. Je ne veux pas de pension et les torts sont de mon côté. Charmant caractère. Décidément, tu n'as pas changé. Autre chose, quand tu es parti l'année dernière, tu n'as rien emporté. Tes robes, tes fourrures, tes bijoux, tout est resté à la... Tout est resté chez moi. Ça valait mieux. Ce que tu as pensé à l'époque. Les robes sont probablement démodées, mais pas les bijoux. Je préfère que tu les gardes. Matt. Bravo. Ça vaut bien un petit porto. Où sont-elles? Sophie est montée s'habiller. Laquelle, à votre avis? Je ne sais pas. Alain vous a dit que nous allons divorcer? Je devrais vous remercier. Ma parole, elle me mordrait. Bon, je t'aime bien quand même. Je descends, c'est l'heure du dîner. Tiens, voilà le tireur d'élite. Martha va me faire travailler ma position de tir.
les fougères et on passe le ruisseau à gué, d'accord? Tu ne les accompagnes pas? Vas-y toi si tu n'es pas tranquille. Alors c'est décidé, vous partez maintenant? Ah oui, avant les embouteillages. Faites comme nous, attendez demain matin. Non, non, on file tout de suite, c'est plus raisonnable. Merci pour tout, c'était formidable. Au revoir, Anne. Au revoir, Anne. Alors, il paraît que vous divorcez. Qui t'a dit ça? Ta femme. Sophie? Tiens. Bon, rentrons. Oui, entrez. Et je te dérange, là? Un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Le ministère a écrit. Il demande un dossier complet. C'est bon signe. Oui, mais je vais encore perdre 3 jours à le préparer. Demande à Thierry de le faire. Il est déjà débordé. À ce propos, j'ai reçu le devis pour... Allô? Mademoiselle Christian est arrivée. Elle est là? Mademoiselle Christian. Demandez-lui de m'attendre quelques minutes. Hmm? Je l'avais complètement oublié. Qui? Anne. Je lui ai dit de venir déjeuner avec moi. Et alors? J'ai pris rendez-vous avec Mercier, à 13h. Martin, rends-moi le service. Amène-la. Mais si, elle sera ravie. Vas-y, je t'assure. Le soir, quand je suis seule, j'écris des chansons. Quelquefois, je les chante. Quelquefois, je les oublie. Et puis, il y a Alain. Quand il n'est pas retenu ailleurs. Il travaille beaucoup. Et il connaît beaucoup de gens. Des gens qui l'intéressent plus que moi souvent. D'une mesquinerie, d'une bassesse. Pourquoi souriez-vous? C'est merveilleux de vous entendre parler d'elle. Vous l'adorez. C'est vrai. Si vous la connaissiez mieux, vous comprendriez. Vous devriez la voir, parler avec elle. Pourquoi faire? Pour comprendre que vous n'avez rien à craindre d'elle. Bien au contraire. Elle est votre amie. Je ne demande qu'à vous croire. Essayez. Moi, je veux bien. Mais elle... Ah, celle-là, j'y tiens, elle est au MoMA. Au MoMA? Le musée d'art moderne de New York. Salut, amigos! Ah tiens, te voilà, toi. Ce que j'aime bien chez Sophie, c'est qu'elle a toujours un mot agréable pour vous accueillir. Ça va? Ça va. Bonjour, Anne. Bonjour, Ben. Bonjour, Toubib. Bonjour et au revoir. Faut que je file. Décidément, il me déteste. J'arrive et... il s'enfuit. Non, je dois être au bureau de bonheur. Mais venez dîner à la maison. Pas possible. Je pars pour New York ce soir, mais... merci quand même. Alors, une autre fois. Au revoir, Anne. Le café n'est plus très chaud. Merci, j'en ai déjà pris. Non, je ne veux pas. Décidément, vous avez toutes les qualités. Je suis contente de vous voir, vous savez.
Moi aussi. Martin a bien fait de m'amener. Et celle-ci? On dirait l'Irlande. Vous l'avez rencontrée par hasard? Non. On a déjeuné ensemble. Alain m'avait invité, mais il a eu un empêchement. Il faudra vous y faire. Alain n'a qu'une passion au monde, la banque. Et c'est une passion très exigeante. Je sais. J'espère qu'il vous rendra heureuse. Mais il me rend heureuse. Je vous souhaite que ça continue. Ça continuera, j'en suis sûre. Alain n'est pas un homme comme les autres. Un soir, il sera tendre, affectueux. Vous croyez être tout pour lui. Et le lendemain, vous n'existez plus. J'ai jamais eu cette impression. Ça viendra. Excusez-moi, il est tard, il faut que je rentre. Attendez, vous n'êtes pas si pressé. Ça alors, qu'est-ce qui lui a pris? Je te connaissais bien d'aider pour Sophie, mais je ne te savais pas méchante. Méchante? J'ai été méchante, moi? De quoi as-tu peur? Qu'elle garde Alain? Mais arrête tes conneries, Alain ne représente plus rien pour moi, tu le sais très bien. Il a quand même été ton mari pendant 7 ans. Mais ce n'était pas la peine de le rappeler à la petite. Pourquoi est-elle venue? Je ne sais pas, Martin l'a amené. Martin? Ah bon, je comprends. Qu'est-ce que tu comprends? Pourquoi tu t'es ingénié à lui faire de mal? Arrête, Ben, tu n'es pas drôle! Sophie! Mais quoi, tu n'es pas encore habillée? Enfin, nous devons être dans une demi-heure au théâtre. Je ne vais pas au théâtre. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Non, ça ne va pas. J'en peux plus. J'en peux plus vivre comme ça. Sans jamais savoir si je te verrai. Si on passera la soirée ensemble, ni le week-end. J'en peux plus de vivre au jour le jour. J'en peux plus d'attendre. Toujours attendre. J'ai 25 ans, Alain. À 25 ans, les filles savent où elles vont. Elles ont des projets. Et moi, j'ai pas le droit d'en faire. Mais qui t'en empêche? Tes chansons. Mais je ne parle pas de mes chansons! Mène-moi! Donne-nous! Je suis ta maîtresse! Et dans 1 an, dans 5 ans, est-ce que je le serai encore? Je le souhaite, Anne. De tout mon cœur. Beaucoup d'affection pour toi. Plus que j'en ai jamais eu pour aucune femme. Mais tu m'aimes pas. Qu'est-ce que ça veut dire, aimer? Je sais que si tu me quittais demain, je serais malheureux. Très malheureux. Autant que quand ta femme t'a quitté. Tu te moques de moi? Mais si, je t'aime. Comme je suis capable d'aimer. Laisse-moi. Maintenant, je veux plus te voir.
t'ennuie pas si j'accepte pour Portugal? Si tu veux que ça me fasse, m'en fous. J'en aurai au moins pour une semaine. Eh ben, je bouffe au resto pendant une semaine, voilà. Martin, qu'est-ce que tu as? Mais rien. Pourquoi? Je sais pas, t'es pas comme d'habitude. T'as des soucis? Non. Au revoir, assois. Assis pour signer le bon de livraison. Donnez. Vous pouvez signer à sa place? Vous êtes qui? Je suis sa galeriste. C'est moi qui organise ses expositions. Ah bon? C'est joli. C'est pour des pubs, ces photos? Excuse-moi, je suis retardée. J'ai l'habitude. Alain? Je suis passé dans le quartier, j'ai eu la curiosité de voir comment tu étais installé. Ça fait longtemps que tu es là? Non, un quart d'heure. Mais tu ne manges pas pour moi, finis ce que tu as à faire. Non, j'ai tout mon temps. Marthe n'est pas pressée. Tu es bien installé. C'est ton bureau? Non, c'est la chambre noire. Tu veux là ou pas? Ferme la porte, tu veux. Anne est morte. Oh non! Cette nuit, elle s'est suicidée. Quel âge? 25 ans. Pauvre gosse. Et Alain, comment est-il? Pas trop abattu? Tu le connais? Un vrai bloc de glace. Il y a du cran. Du cran? Ben moi, il me dégoûte. Enfin, qu'est-ce que vous avez tous avec ce type? Vous êtes en extase devant lui. C'est pas de sa faute si elle a avalé une pleine boîte de barbiturique, cette pauvre fille? Qui peut savoir? Sophie, tu devrais penser à autre chose. Je voudrais bien. Je vous propose pas de monter boire un verre, il est tard. Non, non, bien sûr. Bonsoir. 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 Et toi, ça avance, ta ville dans la forêt? Ça va. J'ai sorti tout ce que j'ai pu trouver sur l'expérience italienne. Moi, tu sais ce que les autres ont fait avant moi. Il y a quand même des enseignements à en tirer. Je préfère tout reprendre à zéro, sans préjugés. C'est pour faire preuve de préjugés que de se renseigner sur ce qui a été fait. Je t'ai déjà expliqué pourquoi ça m'intéressait pas, ça devrait suffire, non? Ben vous êtes bien nerveux, vous. Tu devrais lui donner un calmant. Ça vous embêterait de me foutre la paix, vous? Mais non, mon vieux, pas en plein centre. Je vous avais dit de les répartir à la périphérie. Alors reprenez-moi ça. Oui, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai une laryngite. Vous deviez me donner vos instructions concernant les installations sportives. Oui, plus tard. Vous devriez aller vous soigner. 10 fois que je répète la même chose, il ne veut pas comprendre. Tiens, je les avais oubliés ce matin. On a encore perdu 8 jours avec eux. Nous ne sommes pas pressés. Pas pressés? C'est marrant, toi. Des fois, j'ai l'impression que tu t'en fous, comme si tu finançais la ville dans la forêt uniquement pour me faire plaisir. Pour m'offrir un jouet. Un jouet qui me coûte cher. Justement. J'ai l'air de te moquer éperdument du fric que je dépense. Tout ce que je te demande, tu me le donnes. Et quand je te parle de délai, tu dis qu'on n'est pas pressé. J'essaie d'en prendre mon parti. Quand tu as commencé, tu pensais expédier les travaux préparatoires avant l'hiver. Nous sommes en décembre et tu me dis que rien ne pourra commencer avant le printemps. C'est pas de ma faute à moi si je suis débordé. Fais-toi aider. Ton ami Lestrade n'accepterait pas. Henri? Sûrement pas. De sa clientèle, et d'ailleurs, ça m'intéresse pas. Dommage. Il est bien, ce type. Sophie est partie? Oui, avant-hier, elle rentre dimanche soir. Tu es seule, alors? On vit ensemble ce soir? Si tu veux, d'accord. Thank you.
dis monsieur le président, pas monsieur tout court. J'ai demandé 3 copies. Direct 2. 2C à Acacia. Vous connaissez l'orthographe? Si vous êtes incapable de faire votre métier, faut le dire. Des bonnes secrétaires, on en trouve à la peine. Et vous, qu'est-ce que vous avez à regarder? Vous n'avez rien à faire? Je peux vous en donner du travail. Tu es là, toi? Oui. Viens. Tu piques souvent des runs comme ça? Assieds-toi. Il paraît que tu as appelé à la maison. Gisèle m'a dit que tu voulais me voir très vite. Cette doc sur l'expérience italienne, tu as toujours? Oui. Ça t'intéresse, finalement? Et je ne pense pas que ça puisse m'être utile. On sait jamais. Je te vais mettre à la poste ce soir. C'est tout ce que tu voulais? Oui. Bon, alors je retourne voir mes malades. Eux aussi ont besoin de moi. Surveille tes nerfs. Tu devrais profiter du week-end pour te reposer. Martin, réponds-moi. T'es là, toi? Qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Ouais. Tu devais venir me chercher à l'aéroport, je t'ai attendu. Falcon. Je vois. Oh, ça va. Ça va, hein? Essaie pas de m'impressionner avec tes grands airs. Eh ben, vas-y. Vas-y. Dis-le ce que tu penses. Que t'as jamais vu un bordel pareil. Ah, c'est pas le genre d'Alain. Monsieur Alain, la Bretonie ne se cuite pas, lui. Et dans ta famille non plus, pensez donc. Les Lacroix Champagne, vieille noblesse française. Et ton copain, Ben, il n'a jamais bu un whisky de trop. Monsieur Ben Levin, toujours à fourrer son gros nez dans nos affaires, sous prétexte qu'il t'a appris ton métier, il y a 15 ans. Mais ton métier, c'est surtout au lit qu'il te l'a appris. J'aurais jamais dû faire ça, ce film. Où vas-tu? Je m'en vais. Où? Je fous le camp, t'as compris? Parti, Martin. Terminé, Martin. Comme ça, tu pourras retourner chez ton Alain, chéri. Thank you.
Oui, il a dîné ici vendredi. De toute évidence, ça ne tourne pas rond. Pourquoi? À cause de moi? Non, sans boulot. La ville dans la forêt? Oui. Désolé de vous dire ça, ma petite Sophie. Martin est un garçon très bien, je l'aime beaucoup. Mais il n'a pas les épaules assez larges pour un truc de cette importance. Oui. Non, madame, le docteur n'est pas là. Martin? Martin, tu es là? Est-ce que monsieur Alain Labretenier est là? Madame Labretenier. Oui, j'écoute. Alain? Alain, Martin n'est pas rentré. Tu as demandé à Odette, sa secrétaire? Elle non plus ne l'a pas vu. Pas de la journée? Non. Tu t'inquiètes pas, j'espère. Non, non, je voulais juste lui demander un renseignement. C'est à propos. C'est ça. Merci, Alain. C'est un télégramme pour New York. Oui. Adressé à Ben Levin. New York Star. New York Star? Oui, c'est un journal. J'écoute. Le texte? Tout va mal? Complètement paumé? Besoin de toi? Viens. Signé Sophie. Je te demande pardon. Ah, Sophie. Oh, je me suis comporté comme un salaud. Tais-toi, maman, tais-toi. Et qu'est-ce que je ferais sans toi? Tais-tu, qu'est-ce que tu as fait? Tu as faim? Tu veux marcher? Je sais pas. J'ai marché des heures, je sais pas où. J'avais tellement honte. Un jour, je créerai. J'ai déjà le titre. Sophie et les hommes. Alain était trop fort. C'était tête contre tête. Vous ne pouviez que vous bagarrer. Et le toubib, c'est exactement le contraire. Un gosse qui a besoin d'un maman.
Ah, tu n'as jamais su choisir le bon homme qui te plaît. Sauf une fois. Il y a 15 ans. Ouais. Non. Même pas. Moi non plus, je ne suis pas un homme pour toi. Et pourtant, il n'y a que toi qui me comprennes. Avec toi, je me sens bien. Tu vas m'amener avec moi. Où? À New York. Tu l'aimes trop, Sophie. Il n'en vaut pas la peine. Je sais. Ne me dis pas que j'ai tort, ça ne servirait à rien. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Pour le moment, l'autruche. Je me cache la tête et j'attends. Et ça t'amène où? Je ne sais pas. On verra. Si j'avais pu avoir cet enfant, je pense que ça aurait été différent. Let's go, Sophie. On va prendre des vacances, ça ira peut-être mieux après. Noël et le jour de l'an, la châtaigneraie. Alain nous prête la maison. Martin avait très envie d'y aller. Et toi? Envie aussi? Oh, moi. Tu sais, là ou ailleurs. Ben, viens avec nous. What did you say? You heard me. Viens avec moi. Crazy, completely crazy. Si je lui demande, Martin sera d'accord. Viens, Ben, je te le demande. Oui. Demain matin, sûr. Merci. Joyeux Noël à vous aussi. Ils sont pas pressés à la station-service. Une journée entière pour faire la vidange et le graissage. Tiens, faire une balade avec moi. Tour du lac. Bof. Ben. Elle a très bien dit, bof. Vous en croûtez, mon vieux. Ah. Vous avez de la visite. Là-bas. Qui est-ce? Alain. Quoi? Tu rigoles? Regarde. Sans prévenir un jour de Noël? Merde, il est gonflé. Tu l'as pas invité, j'espère? Pas vraiment. Je lui ai juste dit que s'il n'avait rien de mieux à faire pour le réveillon. Bravo, merci. Tu aurais pu me prévenir. Oui, d'Amsterdam demain après-midi, je partirai directement d'ici. Je ne pourrais pas rester quelques jours de plus. J'ai l'air de t'inviter. Après tout, nous sommes chez toi. À ce propos, puisque vous aimez tellement la châtaigneraie tous les deux, quand le divorce sera prononcé, j'aimerais que tu la gardes, Sophie. Il n'en est pas question. Je ne veux rien, je te l'ai déjà dit. Oh, tu peux pas m'empêcher de t'offrir la châtaigneraie si j'en ai envie. Disons que c'est mon cadeau de Noël. J'ai vu mon notaire ce matin, je lui ai demandé de rédiger l'acte de donation. Écoute, Alain, il n'y a pas de raison. Toutes les raisons, au contraire. Vous aimez cette maison, moi je ne m'y suis jamais plu. Quand la ville de la forêt sera construite autour de la propriété, vous l'habiterez. Non, vraiment, Alain, c'est très gênant. Mon petit Martin, ne pourra pas s'être confus. Je suis certain que vous serez très heureux, tous les deux. Nous n'avons pas besoin de toi pour être heureux. Sophie. Non, laisse, Martin. Rassure-toi, je ne prétends pas faire, ni moins défaire, votre bonheur. Tout ce que je peux faire, c'est lui apporter un certain confort, un confort qui me survivra, le cas échéant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Nous sommes tous mortels. Et comme je suis votre aîné, à tous les deux... Tais-toi, Alain. J'ai mis tout ça en règle avec mon notaire. S'il m'arrive quoi que ce soit, vous hériterez de ma fortune, tous les deux. Non! Écoute, Alain, nous sommes en vacances. Et il y a des conversations qui... Ça, c'est le cadeau que je déposerai dans votre corbeille de mariage. Mais tu as raison, Martin. Ces conversations d'argent sont assommantes.
Parlons d'autre chose. Finalement, j'accepte votre proposition, madame. Quelle proposition? La balade autour du lac. Ah non, maintenant, il fait déjà nuit. Si, ça nous ouvrira l'appétit. Allez, venez. Ben a raison, allez-y maintenant. Tu es prêt à tout pour te venger, hein? La mort de la petite Anne, ça ne t'a pas suffi. Laisse Anne en dehors de tout ça. Elle n'a rien à voir. Que tu dis? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je te supplie d'arrêter? Me supplier? Toi, Sophie? Oui, j'ai quelque chose à défendre maintenant. Pour toi, c'est qu'un jeu, tandis que pour moi... Laisse-nous, Alain. Je t'en prie. Laisse-nous. Es-tu sûr qu'il le souhaite? Lui aussi. Ah, tu es là? Je te cherchais. Qu'est-ce que tu fais? Les bagages, nous partons. Mais qu'est-ce que tu racontes? On devait rester là jusqu'après le jour de l'an. Non, tout de suite. Allons coucher à l'hôtel où tu voudras, mais ne restons pas ici. Impossible. La voiture est au village, elle ne sera prête que demain. Alors demain. Demain matin, s'il te plaît, Martin, je te le demande. Allez, susceptible. Il est capable de se vexer. Et alors? Et alors, je ne tiens pas à me fâcher avec lui, figure-toi. À cause de la ville dans la forêt? Évidemment. J'ai besoin de lui. Tu fais ce que tu veux, moi je m'en vais. Bon, d'accord. Mais quand la voiture sera prête? Bah dis donc, elle va être gaie la soirée de Noël. Demain matin, nous aussi. Sophie a envie de... Ouais, j'ai pensé. On va descendre sur la côte une petite semaine. Et bien entendu, je serai au bureau, lundi en 8, comme convenu. Le bureau, oui. Je voulais t'en dire un mot, justement. Assieds-toi. Je crois que j'ai commis une erreur. Une erreur? En voulant financer la ville dans la forêt. Laisse-moi parler. J'ai réexaminé les chiffres. Le risque est trop important. Je n'ai pas le droit de l'assumer. Je comprends pas. On est dessus depuis 3 mois. Oui, je sais. Moi aussi, j'ai engagé des sommes considérables. Je préfère les passer par profits et pertes. C'est un moindre mal. Non, c'est pas possible. Arrête! Tu me fais marcher. On en a encore parlé ce matin au téléphone. Depuis, j'ai réfléchi. Depuis ce matin? Non, Alain. Tu peux pas changer d'avis comme ça, brusquement, sur un coup de tête. Enfin, tu sais ce que ça représente pour moi, la ville dans la forêt? Mon rêve de toujours. Depuis 3 mois, je ne vis que pour cela. Tu peux pas me laisser tomber? N'insiste pas, Martin. La décision est prise. En somme, tu me fous à la porte. Il n'aura pas de mal à retrouver une situation. Après tout, tu es médecin. Tu pourrais au moins avoir la pudeur de ne pas te payer ma tête. Je te prie de me parler sur un autre ton. Tu n'as pas la voiture. Tiens, prends la mienne. Dis-moi, maman, ça s'est fait comment?
Qui est-ce qui veut un peu de fromage? Martin dort encore. Tu lui diras au revoir pour moi. Allô? Oui? Est-ce que Mme de Rotonier est là? Ne quittez pas. Sophie! Sophie! C'est pour toi. Qui est-ce? C'est moi. Allô? Jean-Marie de Courteville, Mme de Rotonier. Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne me l'ont pas dit. Juste qu'il était mort. Alain est mort. De sa phrase d'hier, au cas où il m'arriverait quelque chose. Il ferait mieux de partir. Tant pis pour Ben, il se débrouillera. Nous ne pouvons pas partir, il faut les attendre. Attendre qui? La police. La police? En quel honneur, la police? Alain était quelqu'un d'important, ils feront sûrement une enquête. Eh ben, ce sera pas compliqué comme enquête. Il conduisait trop vite, comme d'habitude. Il conduisait très bien. Ben alors, un problème mécanique, je sais pas, moi! Direction qui lâche, les freins qui ne répondent plus, ce sont des trucs qui arrivent. Sa voiture était toujours parfaitement entretenue. J'ai peur, Martin. Et peur de quoi, grand Dieu? S'ils entendent parler de ce testament, et cette scène entre vous hier soir... Qui leur en parlerait? Toi? Ben? Bien sûr que non. Bon alors? Tu crois vraiment qu'ils vont nous interroger? Est-ce qu'on sait avec eux?
Tu es sorti hier soir avec sa voiture. Oui, pour t'acheter des cigarettes. Et il t'a fallu 2 heures pour acheter un paquet de cigarettes. Enfin, un soir de Noël, tout était fermé. J'ai dû aller jusqu'à Dives. Même pas 35 kilomètres. Il risque de demander ce que tu as fait pendant tout ce temps seul dans sa voiture. Sophie, tu te rends compte que tu es en train de... J'essaie seulement d'imaginer les questions. Qu'on ne nous posera pas! Tu essaies de me faire peur, c'est ça? Alain était mon mari, toi tu es mon amant. D'ici à ce qu'il croit... Qu'il croit quoi? Un crime passionnel. Et puis quoi encore? Enfin, tu rêves, ma pauvre Sophie. On ne tue pas son meilleur ami pour une histoire... Pour une histoire de bonne femme? C'est pas ce que je voulais dire. C'est comme le testament, on va quand même pas m'accuser de l'avoir tué. Tout simplement parce qu'il en a parlé hier. D'ailleurs, est-ce qu'il existe ce testament? Tu l'as vu, toi? Alain n'avait pas l'habitude de plaisanter avec les questions d'argent. Bon, admettons qu'il existe. Qu'est-ce que ça prouve? Je ne suis pas le seul à hériter. Toi aussi, tu es dans le bain, il me semble. Tais-toi, Martin. Pourquoi je me tairais? Tu vas être riche, non? Oui, mais moi, je m'en fous. J'ai jamais couru après sa fortune, moi. Ah, parce que moi... Je n'ai pas hésité à le quitter l'année dernière pour vivre avec toi. Tu n'avais pas un sou, j'ai dû recommencer à travailler. Des photos? Oui, alors? Pour toi, faire des photos, c'est pas du travail? Pour moi, si. Et je n'ai pas hésité, pas une seconde, parce que je t'aimais, Martin. N'empêche que quand il t'a renvoyé tes bijoux et tes fourrures il y a 2 mois, tu les as pas refusés? Je salis tout. Tu me t'écoutes. Bah voyons. Facile de te débarrasser de moi comme ça. Ça ne marche pas, ma pauvre petite. Il y a trop de choses entre nous. Nous sommes... Ah, je vois. J'aurais dû y penser plus tôt. Tu es bien plus forte que je ne pensais, Sophie. Qu'est-ce que t'as encore trouvé? Sa dernière phrase. Ce testament est le cadeau que je déposerai dans votre corbeille de mariage. Nous ne sommes pas mariés. Le testament est sans valeur. Oh, mon pauvre Martin, quelle déception, hein? Il n'a pas de famille. Également, tu es toujours sa femme. C'est toi qui héritais, toi seule. Bien joué, Sophie. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais faire peser les soupçons sur moi. C'est toi qui as préparé le petit déjeuner. C'est toi qui as préparé son café. Martin! Qu'est-ce que tu as mis dedans? Un somnifère pour qu'il s'endorme au volant. Qu'est-ce que tu as mis dedans? C'est eux, déjà? Tu crois? Camion de huile a heurté un poteau juste avant qu'il n'arrive. Des bidons se sont renversés. Il a dérapé. Un accident idiot qu'on ne peut pas éviter. Bon. Je vais chercher mon sac. Ce qui m'a pris. Je vous demande pardon. Je n'ai rien à te pardonner. Alain avait raison, c'est tout. Il a gagné. Il a gagné? Il a gagné quoi? Tu n'as vraiment rien compris. Il a joué avec toi, mon pauvre Martin. Il t'a donné beaucoup d'argent. Un beau bureau, une secrétaire, des assistants. Il a fait de toi un pantin, une marionnette. Pourquoi? Pour que je te voie telle que tu es réellement. T'aimais toujours? C'est plus compliqué que ça. Je vais encore te faire du mal. Au point où on en est. Dis-moi. Il te jugeait indigne de moi. Il avait raison. La ville dans la forêt, c'était trop gros pour moi. Jamais je n'y serais arrivé.
T'as jamais eu l'intention de la construire, n'est-ce pas? Non. Tu le savais? Depuis le premier jour. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu ne m'aurais pas cru. C'est vrai. Il m'avait jugé à ma vraie valeur. Un médecin raté. Un petit bonhomme. Sans envergure. Cet homme-là, Martin, je l'aimais. Et c'est ça qu'Alan ne me pardonnait pas. Sophie, si je te disais à quel point j'ai honte, si je te disais aussi que je t'aime, plus qu'aucun homme a jamais aimé une femme, j'ai oublié de te dire, Jackson demande que tu l'appelles. Il a encore du travail pour toi. En Norvège cette fois. Reportage sur... Sophie.